Salut YouTube, c'est Nabil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, vous pensez que la chose que j'ai à vous dire ou que j'ai à vous expliquer, c'est ma couleur de cheveux. Mais non, 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 ça c'est un défi perdu, on n'en parlera pas. C'est un truc qui s'est passé sur Twitch et tout. Non, aujourd'hui, je sors ma carte secrète. Il faut qu'on se parle. J'ai un truc à vous dire parce que, on le dit tout le temps, c'est une vidéo spéciale aujourd'hui. Mais c'est vraiment une vidéo spéciale pour moi parce que, en fait, déjà, pour qu'on mette les choses au clair, je vous parle en tant que Nabil, pas en tant que IQLU ou YouTuber ou quoi que ce soit. Je vous parle personnellement pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou peut-être ceux qui m'ont découvert récemment. Je sais pas, j'ai fait tellement de trucs ces dernières années. Ceux qui m'ont découvert avec Arma 3, Altis Life, Rust, DayZ, les voyages, les vidéos Airsoft, GTA RP, n'importe quoi. Eh bien, je voulais m'adresser à vous en vidéo freestyle comme ça. Pas de texte, pas de montage, rien du tout. Vous savez comment j'aime faire ça de temps en temps parce que je vais vous parler d'un truc cool que j'ai fait. Salut mon chat, ça fait 2 ans qu'on prépare ça, ça fait 2 ans, un peu moins de 2 ans que je bosse là-dessus et j'ai pas pu en parler. Ça me fait bizarre de bosser sur un truc pendant plus d'1 an et de ne pas pouvoir en parler, mais tournant pas autour du pot, mon livre vient de sortir. Fais-moi un beau zoom, fais-moi un beau zoom, fais-moi un beau focus. Et en fait, ça pourrait paraître un peu banal au début, on dit « Oh non, encore un youtubeur qui sort un livre, oh non, encore un livre de youtubeur ». Je vais vous parler du livre, de ce qu'il contient, de ce qu'il y a dedans. Mais c'est pour ça que je voulais vous dire en fait que je vous parlais en tant que Nabil. Parce que pour moi, c'est pas un truc de youtubeur, c'est pas un truc que tout le monde fait ou quoi. Pour moi, c'est un énorme accomplissement, c'est un énorme projet qui aboutit après presque 2 ans de travail. Et j'y raconte une histoire dans ce livre-là, j'y raconte une histoire de fiction, une histoire un petit peu dans un monde parallèle avec plein de références à aujourd'hui, à ce que j'aime en fait, aux jeux vidéo, à la réalité virtuelle, au voyage. Je vais pas vous spoiler le livre évidemment, mais ce n'est pas une BD. C'est pas non plus, je sais pas si tu peux zoomer vite fait focus, c'est pas une BD et c'est pas non plus, comment dire, un livre ou un journal de youtubeur machin truc. C'est une vraie histoire avec quelques chapitres où on découvre plusieurs mondes, mais sans vous spoil, c'est l'aventure d'IQLU, hein, ça s'appelle les mondes d'IQLU, un jeune homme qui découvre un portail, Ouloulou, et qui va donc explorer ce portail pour aller dans différents mondes et les différents mondes sont divisés en différents chapitres et chaque chapitre en fait est un petit aspect de YouTube, donc il y a comme ce côté aventure, histoire d'aventure et tout, mais en même temps c'est quand même des grosses références à YouTube, pas subtil. Il y a aussi quelques illustrations dans le livre, ramène, viens je leur montre. Il y a quelques illustrations pour les chapitres par exemple, comme ça, un petit dessin, le niveau, enfin le chapitre où on est rendu dans le livre. Il y en a aussi quelques-uns, si j'avance ici, pareil. On a un autre chapitre, la foule de 100 visages, juste ici. Et donc, quelques illustrations, mais c'est surtout de la lecture et c'est surtout, je pense, une histoire que j'aime beaucoup parce que on m'a approché, on m'a dit « Nabil, est-ce que tu veux faire un livre ?» Et au début, je sais pas, j'étais pas très chaud parce que je me suis dit tu sais, tout le monde fait un livre, je sais pas trop si je suis écrivain. Mais je l'ai pas fait seul, vous le voyez dans la première page, je l'ai fait en collaboration avec Pierre-Alexandre Bonin, qui est un écrivain jeunesse ici au Québec. Et c'est lui qui a fait le plus gros du taf, hein. C'est lui le talent parce que je peux pas juste prétendre pouvoir écrire comme ça du jour au lendemain et écrire un livre. Il m'a beaucoup aidé. Je voulais raconter mon histoire, je voulais parler un petit peu de moi, mais il fallait savoir comment placer tout ça, avoir une belle structure, avoir... tu sais, que ce soit lisible, que ce soit pas genre un ramassis de textes que j'ai écrit. Donc, pour mettre tout ça en page, mais il s'agit de mon histoire, il s'agit d'une aventure que j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu et relu. Et là, j'ai hâte que vous puissiez aller le lire. Il est disponible en France, il est disponible au Québec. Il est disponible en ligne, donc vous pouvez le commander, le recevoir. Vous pouvez aussi aller l'acheter en magasin, il est disponible à la FNAC. Il est disponible au Archambault ici au Québec. Bref, vous avez tous les liens dans la description. Je vais aussi venir vous rencontrer en personne ici au Québec, à Montréal, dans le Salon du Livre, dans quelques jours. Regardez la description pour les infos. Si vous êtes à Montréal, je vais vous voir au Salon du Livre. Si en plus de ça, vous avez une copie du livre et que ben, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, partager votre avis et tout, ça va être vraiment cool. Alors, je vous donne rendez-vous au Salon du Livre. Si vous êtes en France, dans le reste de l'Europe, n'importe où, je vais aussi essayer de passer dans les mois qui suivent, vous rencontrer, venir voir ce que vous pensez du livre et tout. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est 2 ans de travail, ok? C'est pas un petit projet de youtubeur, un petit truc, c'est presque un peu moins de 2 ans, mais comme je vous ai dit, de secret, de taf, d'approche, de modification, de design, de... Bref, beaucoup de travail qui aboutit. Je suis vraiment content du résultat, je suis fier d'avoir un livre avec mon nom dessus. Et je voulais partager ça avec vous. C'est pour ça que je vous avais dit cette vidéo est une vidéo spéciale. Parce que je voulais vous parler en tant que personne, moi, qui a réussi à publier un livre à mon nom. Je sais pas, je trouve ça incroyable. Donc peu importe à quel point je suis youtubeur, on me dit tout le temps t'es la star d'internet, les nouvelles stars, rien du tout.
Je suis un mec comme un autre et de pouvoir faire ça pour moi, c'est incroyable. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller l'acheter pour me soutenir, mais aussi pour découvrir, enfin, pas pour me soutenir, mais plutôt pour découvrir cette histoire, découvrir ce qu'on a fait ici et en savoir plus. Il y a aussi des petits conseils qui sont disséminés un petit peu partout à la fin des chapitres comme ça. C'est des conseils un petit peu plus directs quant au monde de YouTube, de mon expérience. Genre, c'est des trucs très directs. Il y a mon chat qui est en train de faire du bruit, mais c'est pas grave. Bah oui, donc il y a des conseils à la fin de chaque chapitre venant de ma propre expérience de YouTube. Là, c'est plus de la fiction, c'est vraiment juste pour réussir sur YouTube. Ça, il y a quelques petites fenêtres comme celle-là que vous retrouverez. Mais sinon, c'est un récit d'aventure, une première expérience pour moi. Et je suis vraiment content du résultat. Je pense que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Je voulais aussi vous dire merci. Là, maintenant que c'est enfin publié, c'est enfin disponible, je peux un petit peu me reconcentrer plutôt sur ce que je faisais avant. Je vais refaire un peu d'Arc RP, je vais refaire un petit peu d'Airsoft. Je vais refaire les vidéos à l'ancienne que j'avais le temps de faire auparavant, maintenant que j'ai un petit peu plus de temps. Je vais me concentrer sur ce que j'aime, sur ce que vous aimez aussi. Et ouais, j'aime ce livre. J'aime ce livre parce que ça fait longtemps qu'on bosse dessus. Allez le choper, les liens sont dans la description. Vous pouvez y aller en magasin. Si vous voulez, vous avez l'information sur la page Amazon, il y a une petite vidéo. Souvent on me demande c'est pour quel âge ou pour qui le recommandes-tu. Je dirais honnêtement, c'est sur le site, c'est écrit de 9 ans et plus. C'est clairement très 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 abordable, c'est pas Dune, ok, ou c'est pas Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux le truc. C'est quand même de mon niveau à moi. Mais c'est quand même une cool histoire parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit au début, jeux vidéo, réalité virtuelle, YouTube, Twitch. Donc c'est quand même ma génération aussi, j'ai 24 ans et j'aime beaucoup cette histoire, j'aime la lire, la relire et la redécouvrir. Donc je pense que pour tous les âges là, si vous êtes dans le même délire que moi, si vous aimez un petit peu les jeux vidéo, les nouvelles technologies, YouTube, Twitch, et juste toute cette histoire là, vous l'avez. Les liens sont dans la description. Merci d'avoir rendu ça possible, c'est une folle aventure que je vis là, je m'y habituerai jamais parce qu'à chaque fois que je vais faire un nouveau truc comme ça, je vais être choqué et puis l'essentiel c'est que je continue de faire ce que je kiffe et ce que vous kiffez, donc comme je vous l'ai dit, vidéo gaming, le RP, tout ça, de l'airsoft, bref, on y retourne, merci pour le soutien et on se revoit très bientôt, c'était Nabil, ciao tout le monde, peace.